Tu te rends compte que la moule existait déjà du temps des dinosaures? Et donc? Bah, vu que c'est un animal vivant, la moule, c'est presque un dinosaure. La moule, c'est un dinosaure. C'est ça que t'es... En gros, c'est ça que tu essayes de me Ouais. dire. T'as tellement envie qu'il y ait encore des dinosaures Ouais. que pour toi, la moule, c'est... Ok. Ouais. Scientifiquement, ça tient pas, mais ok. La moule perlière, encore présente aujourd'hui dans nos ruisseaux du centre Morbihan, est en voie de disparition, alors qu'elle était déjà là du temps des dinosaures. Mais ce n'est pas ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Nous allons plutôt remonter le temps, jusqu'en 1993. Bienvenue à Jurassic Park. ...1993, année de sortie de Jurassic Park donc, et grosse obsession de la part de Steven Spielberg qui, non content d'avoir produit Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles quelques années plus tôt, est également aux commandes des 4 dinosaures et le cirque magique sortis quelques mois à peine après Jurassic Park. Les 4 dinosaures et le cirque magique est un film d'animation d'Universal Studios, réalisé par Phil Nibelink, Dick Zondag, Ralph Zondag, Simon Wells et produit par Steven Spielberg et Steve Eichner. C'est un vieux et un bon souvenir. Un brin oublié aujourd'hui, et pourtant le pitch est mémorable, le professeur Bonneuil fait manger à 4 dinosaures des céréales qui les rendent pacifiques et intelligents. Propulsés au XXe siècle, nos amis devront faire face aux méchantes ambitions du professeur Mauvais Œil et de son cirque terrifiant. Hi everybody. My name is Rex. Hey, how did I do that? I'm Elsa. Enchanted and delighted to make your acquaintance, Rex. Oh, pardon my wingspan, won't you please? Yeah, okay. Hey, I'm Woog. You want a hot dog? Or do you want a hot dog? Is it good? Que dire de ce film si ce n'est qu'il est le témoin d'une époque, une époque où les enfants n'étaient pas encore gavés de dinosaures. Eh ben, on peut parler de Simon Wells, ouais, l'un des 4 réalisateurs qui plus tard sera le réalisateur de Milo sur Mars, l'un des plus grands flops de tous les temps qui enregistrera une perte de 136 millions de dollars pour Disney. Welcome to Mars. My name is Gribble. This is Two Cats. What's your handle? Milo. How about I call you my bro? Check it. Oui, mais on est dur avec le monsieur parce qu'il avait quand même co-réalisé Fievel au Far West. C'était nul aussi. C'était nul. C'est vrai. Il faut mettre du concierge pour nous polluer l'air. Et est-ce qu'on est percepteur pour vider la glacière? Nous tournons les fleuves pour peupler le désert. Nos rêves iront toujours plus haut sans retomber par terre. En fait, ce film n'est passionnant que parce qu'il illustre bien l'obsession, tout du moins l'ambition de Steven Spielberg, redonner aux enfants le goût, la passion des dinosaures au début des années 90. Alors certes, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui a dit que nous ne devions parler que de chef-d'œuvre ici? Non, ça se saurait. Pour rappel, Nico a fait pas une, mais 2 vidéos sur Oasis, donc... Ouais, enfin, toi, je te rappelle que t'as pas parlé que de chef-d'œuvre non plus.
Eh ben, tu manques pas d'argument, toi. Ouais. C'est précis, ça va tout droit, ça tire à balles réelles.